prix de la customisation, elle vaut 3000 là, non? Et bonsoir, mesdames. Oui, j'avoue. Bonsoir. Elle vous est apparue super vite. Ouais. Waouh, c'est trop impressionnant. C'est balde. Et vous êtes gentil ou vous êtes méchant? Ça dépend. Si tu te comportes bien, on est gentil. Si tu te comportes mal, on peut être méchant, ça dépend. Moi, je me comporte bien, madame. Ça dépend, t'as ton papy de New Austin? De quoi? Ton papy qui te souhaite ta bienvenue à New Austin. Je sais pas, moi, je suis arrivé tout à l'heure. Sinon, l'arrivée au pays, ça fait 50$. Ouais. 50$, mon petit gars. Je rigole. Moi, je rigole pas. Ah là là. Bobby, reviens, on a les mêmes à la maison. Avec des pièces. Il a voulu fuir la gardière. Il vient d'arriver dans le pays. On est au-dessus des shérifs. Il vient d'arriver dans le pays. Bah, vous êtes trop beau alors. Ouais, on est trop beau, c'est pour ça que tu vas te donner 50 petits billets verts. Mais j'ai même pas un billet. T'as pas un billet? Non, j'ai que des pièces. Et tu t'habilles aussi classe et t'as pas un billet, tu te fous de ma gueule. J'ai emprunté bon, dans moi, un je train. Je vais me soigner. Hein. Mais... Je lui rendrai quand il pourrait. Voleur. Je suis pas un voleur, j'en ai. Bon, allez, go. Allez. On y va. À toutes, messieurs. Ah, putain. La buenas. La buenas. Pourquoi il a dit qu'elle était buena, ce Pearl? La buena, ça veut dire la bonne nuit, enfin la ouais. La buenas noches. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était en train de t'offenser, madame Pearl. Bah, après, fallait te battre directement. Mais tu vas casser la gueule. C'est pas très élégamment, mais. C'est pas un vocabulaire élégant, voilà. Oui, c'est pas très élégant, quoi. Casser la gueule, c'est ça. Mais de toute façon, on risque rien, parce que si on nous attaque, Pearl, elle chante. Ouais. Du coup, on risque rien. Ça paralyse tout le monde. On est invincible. Ça paralyse tout le monde de bonheur. Attends, ils vont voir qu'il y a des gens qui inventent la copie de les deux. Oui, mais alors qu'on est là, toi qui ne nous retire pas tout de suite. Ah, moi je le garde, hein. On dirait que je l'ai laissé dans un cheval qui est laissé de l'autre côté. Hein. Mais pourquoi ils sont déboulés comme si on était rentré avec une dynamite dans la main? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient, du coup, ça leur fait de l'animation. Allez, j'en ai dit. Oh les pauvres, ils font de la peine. Bah ouais. Oh elle est belle la maison quand même. Ouais elle est sympa hein. C'était franchement la plus belle maison. Et moi j'ai un peu, je peux la visiter la maison. Ouais. Oui vas-y. Oh. De toute façon faut que je regarde dans mon coffre. Waouh. Elle est belle hein. Eh mais vous avez menti, Swan, il pouvait dormir dans le coffre. En plus c'est une maison où les draps sont quasiment propres, ouais, ce qui est assez rare dans le coin. Et ça c'est quand même assez rare. Il y a un seau à pipi. Bon après la vaisselle voilà quoi mais... Ouais il y a un seau à sang mais... Il y a un seau à sang. Pour ma maman le m'a dit. Ça s'appelle comme alors, ça je crois. Alors est-ce que quelqu'un veut des jumelles? Tu veux des jumelles Ouais je veux bien des jumelles. Merci madame Pearl. Est-ce que tu non tu, attends je vais te donner des trucs. Bah je peux rien prendre hein, j'ai plus de place. Ouais. Il y a des jumelles, une gourde, une banane et une peau de taureau. Je vais tout vous prendre madame Pearl. Ça, lui il a la brocante lui. Quoi? Faut que je te donne des trucs. Faites combien de cartons là? J'ai un pour quoi tu veux? Faites combien de cartons avec toutes les merdes là? Mais c'est quoi une gourde? C'est pour boire. C'est comme la daronne. Ah mais t'as plus de place en fait. Mais non j'ai plus de place. La daronne. C'est la dame qui parlait méchamment qu'on a croisé tout à l'heure. Elle s'appelle la baronne. Elle s'appelle la daronne. Ouais mais je l'appelle non, la daronne. Elle s'appelle la baronne. Mais... Dis la baronne. Tiens. La baronne. Ah ouais je vais avoir des jumelles et pouvoir faire comme Monsieur Duke et pouvoir regarder sous les vêtements des gens. C'est vrai. Non des femmes seulement. Des femmes. Pourquoi ces femmes? Ah putain, j'ai vraiment plus de place en fait. Vous avez des roses dans les cheveux? T'as vu que je prenne des trucs? Ouais, je vais vous donner des trucs. Vous avez de la place? Ouais, ça va. Je vais vous donner mes bouteilles. J'en ai quelques-unes. Ah là là. Vous savez que le champagne, c'est moi qui vous l'ai donné tout à l'heure. C'est vrai. Oh, c'est pas cool ça. Mais non, mais juste parce que j'ai pas de place pour l'instant.
T'as une gourde, gars. Mais bouge pas. Non, j'ai pas de gourde, madame. Si tu bouges, je peux pas te donner les trucs. Eh, mais je viens de remarquer, vous êtes accordés, toi et Swan. En couleur. Oh, en plus, elle est pleine. Oh, c'est trop sympa, je pourrais boire sans payer. Ouais. J'imagine si j'avais fait le plein de brosses, j'aurais pu devenir riche. Hein. Bouge pas. Enfin, plus riche. Tiens. C'est... Oh, la peau de Zoro. Et je fais quoi, ça, ça fout... Tu peux la vendre. Oh, t'es pas bien récupérer mes bouteilles. Waouh. Oh, la lumière aux jumelles, elle fait mal aux yeux. Oui, un petit peu, mais bon. Swan, rends-moi ce que je t'ai donné. Non. Je t'ai donné de la bouffe. Si, je t'ai donné plein de plats de bouffe. Non, je t'ai sûr. Si, je t'ai donné de la bouffe. Non. Mais si, je t'ai donné des trucs. Non, j'ai saisi votre cas. J'ai mon méchoui à moi, mais... Ah si, peut-être tu as donné méchoui. Je t'en ai donné au moins 6. Ah oui, c'est possible. En fait, comme j'ai tout le temps 20 méchoui sur moi, je sais jamais si... Merci, si c'est les tiens, les miens. Ouais, voilà. Bon bah, voilà, je vais prendre ma maison. Vas-y. C'est tellement triste. Je casse la fenêtre. Vas-y, casse la fenêtre, casse tout avant que je parte. Ouais. D'abord, tu le cassais. Voilà. Poussez-vous tous. Comment ça? C'est plus à moi, arrêtez de tout casser. Faut tirer sur la lanterne, monsieur Duke. Hein? Faut tirer sur la lanterne. Ah oui, c'est vrai. C'est plus drôle avec l'arc pour la lanterne. Ah oui. Salut. J'en ai une à l'intérieur. Non, c'est une torque, c'est une bougie. Non mais. Ah là-haut. Je sais pas. Non, elle pètera pas celle-là. Ici, là, au sol. Oula, j'ai failli me prendre. Ici. Ah, celle-là va péter. Putain, où c'est où? C'est vous. Ça va pisser. Elle est cinglée, sa maman. Pourquoi t'es dedans encore? Elle voulait voir ce que ça fait, il a froncé les flammes. ça prend sur la maison. Y'a trop. Calme toi. C'est pas mon cheval, ça. Ok, rend ouf. C'est celui-là, mon cheval. Il est tout pépère, le mien. Tu m'en veux pas? Relève-toi. C'est bien, madame Pearl. Voilà. Tu m'en veux pas. C'est quoi ces bruitages? Ah bah, j'ai failli. Ah, j'ai failli avoir le coma, là. Pardon, madame Pearl. Ah, j'ai vu rouge. J'ai vu très, très rouge. J'ai vu rouge, rouge, rouge. Et pas. Ah. Bah, c'est pas fait pour moi, les gars. Non, je t'en veux pas. Je suis juste plein de sang, regarde. 490$, écoute là-bas. Je vous paye en merde. Pardon, vous je voulais l'acheter, monsieur Duke. Non. Oh, regardez tout le sang par terre. J'avoue. Regarde le sang par terre. Oh. Toi, avoir tout le sang par terre. J'ai une petite baffe d'Armalio. Aïe, c'est qui Armalio? Toi, c'est Swan. C'est la ville où on était. Ah mais... Hey, faut... Non. Oh, moi aussi, je veux faire ça. T'as vu? T'as vu? Ouais. Ah ouais, j'ai un peu mal. Oh, bien. Ah ouais, t'as une poche, hein. Mille fois pas, une grosse poche, hein. Non, mais c'est pas grave.
Si vous voulez un pansement, Perle. Si vous voulez, non, c'est bon. J'ai une brosse, si vous voulez. Bah non, j'ai pas envie de me brosser. Pour brosser la bosse. Pour te brosser, Martine. C'est qui, Martine? C'est le cheval de Swan. Ah. Ah. Mais t'es dangereux, gamin. Pardon. Oh, t'es... Une fois, c'est vrai que j'ai écrasé ma maman avec la charrette. Ah ouais, mais elle est où ta maman? Elle est morte. Écrasée par une charrette. Non, elle s'est... Non, c'est pas gentil. Non, c'est vrai, c'est pas gentil. On s'est fait attaquer par des bandits, ils ont voulu voler la charrette et ils lui ont lancé un couteau dans le dos. Et du coup, tu l'as achevé. Pardon, non, c'est pas rigolo en vrai. Désolé pour ta maman. Moi aussi, je viens de perdre mon papa et Swan sa maman aussi. Donc... Ouais. Ah bah, je suis désolé pour eux. Ah, ils sont fait écraser par une charrette. Non, bah, il était retrouvé au large des côtes sans tête. On a tous des belles histoires quand même. Ouais, mort au Bablack. Moi, il vient juste de mourir de vieillesse. Enfin, de maladie, de vieillesse, quoi. Je... On s'en va de la question, on fait quoi? Ouais. Okay. De toute façon. Okay. Bah, ouais. Y'a rien à faire ici. Non. Vous êtes même plus résidente. Non, mais visibilité. J'ai le papier par contre. Par contre, évite le galop. Ah bon? Et du coup, je suis quand même blessée. Le galop de Barbatillo. Voilà. On récupère Alejandro? Ouais. C'est qui le gars là? Mais c'est Wright. C'est qui Wright? Bah c'est l'avocat. C'est l'avocat. Mais je connais pas moi. Mais l'avocat toujours bourré. Ah, ah oui, je lui ai parlé une fois, on faisait de l'or. C'est l'avocat toujours bourré, mais Il était pas mexicain lui. Mais non, mais il se fait toujours passer pour un mexicain quand il vient ici pour pas se faire emmerder. Ah bon? Et si un jour ils l'apprennent, ils vont le défoncer? Ouais, écoute. Donc là c'est Alejandro. D'accord. Du coup, il se fait passer pour un Mexicain. Alors qu'il est pas Mexicain. Il est pas là, attendez. Alejandro ? Alejandro ? Ah ! On cherchait, ouais. Du coup, il s'appelle Alejandro ou il s'appelle le... Il s'appelle Alejandro. Alejandro. Alejandro, Alejandro. Allez, allez, allez. J'ai regardé mes télégrammes 2 secondes. Ça marche. Hop, petite technique perso. Fais des figures. Bonjour monsieur. Vous avez l'air un peu malade hein, quand même. Je veux pas dire mais... Ouais. Allez, rentre. Il est un peu malade hein, le gars qui... Ouais. Mais c'est malade. Vous avez été regarder vos télégrammes. Pourquoi il est bleu le monsieur? Ça arrive des fois ici. Eh hey, Swan, tu prends mon télégramme, c'est personnel qui m'a envoyé le télégramme. C'est quoi ton télégramme? Moi c'est ZN614. ZN? Z comme Google. Un Z. Un N comme noir. Et après c'est 614 comme 614. Tu me l'envoies? C'est quoi un tribunal populaire? C'est quelqu'un qui est populaire? Ah non, pas mon doigt, ça pue la merde ça. Oh.
vas-y. Mais je vous dis pas que c'est monté avec vous, monsieur Duke, c'est ça. Ah, si. Le chien. Le chien. Mais le chien. Allez, rentre trop. Comme un voleur. Ah. Non, il est vraiment. Elle provoque ça des fois. Bonne soirée. Bonne soirée. Eh, c'est trop fort, Pearl. Il y a un monsieur, il est parti faire dodo direct. Ah ouais? Ouais. Ça pas vu? Non. Ouais, c'est trop forte. Waouh. Oh la classe. Bien voir en focus. Je dis, vous savez faire ça? Ouais. Eh, il est parti sans moi. Voilà. Ça, c'est une musique de qui? Je sais pas, je connais pas. Elle a un sacré vrai perso. Elle a dû fréquenter les cabarets. Pour chanter? Sûrement. Ah. Vous pensez elle ramener beaucoup de sous? Je vois des trucs. Ah oui. Je veux dire, je vois des trucs bizarres, mais oui, ok. Ah, mais pourquoi elle... Oh non. L'ange d'Arpès, ça va. Pourquoi ils sont toujours à la sirène? Je sais pas, mais c'est... Ils aiment pas aller vite, je crois. C'est leur... contre leur religion. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils sont de quelle religion? Je vais leur demander. Est-ce que vous pensez qu'un âne, on peut l'entraîner beaucoup? Lentiste. Bah ouais, un âne, on peut l'entraîner. Parce que moi, j'ai essayé de l'entraîner un peu, mais il voulait pas durer plus longtemps. Je crois qu'on peut, hein. Il faudrait que je demande à une madame. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va en... On va vous laisser tous les deux, hein. On entend des choses bizarres. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on entend un mot comme ça, c'est bizarre. Quand on est arrivé, il y a Bobby qui a demandé à Monsieur Duke pourquoi vous voulez durer plus longtemps. Mais n'importe quoi. Non. J'ai parlé de mon âne. J'ai entraîné mon âne, mais qui ne pourrait pas. J'arrivais pas à courir longtemps. Ah, c'est bizarre. Vous êtes possédé, hein. Mais du coup, madame Pearl. Oui. Vous êtes quelle religion? Agnostique. À droite. Ah, je comprends pas ce que vous dites. Agnostique. C'est quoi ça? Ça veut dire que je crois en ce que je vois. Ça veut dire que je dis pas que Dieu existe pas, mais je dis pas qu'il existe. Peut-être qu'il existe, mais tant que j'ai pas la preuve, je crois pas qu'il existe. Mais du coup, vous croyez en moi, c'est qui? Hein? Vous croyez en moi, du coup? Bah oui, puisque je te vois. Bah moi aussi, je crois en vous, madame Pearl. Je crois plus en Max parce que je le vois plus. Il vous a abandonné? Oui. Il a un peu abandonné avant, mais... Ah. Mais après, il m'a tout de moi. Mais après quoi? Après, il est ah. Ça, c'est un serpent. J'ai plus rien. Après, il l'a visiblement abandonné. Oui. Mais c'est pas grave, vous avez soin de madame Pearl. Oui. Ouais. Bah, c'est pas tout à fait pareil quand même. Bah pourquoi? J'espère que c'est pas tout à fait pareil. Bah pourquoi? C'est bizarre. Bah parce que c'est mon fils. Bah j'ai alors. Mais un fils et un mari, c'est pas pareil. Y'a monsieur Dubin pour compléter. Monsieur. Bonjour monsieur, on repart De toute façon qu'on passe. Monsieur qui? Pas compris. Enlève ton chapeau, clairement. Le monsieur Dubin, ah si, le monsieur. Le monsieur Dubin? C'est qui, ouais. Monsieur Dubin? Un monsieur qui vient tu nettoyer qu'on lui demande. Quand t'auras 10 dollars. Oh, bah, c'est pas la con, en plus, hein. Mais va faire du pétrole, ça rapporte bien. À côté de Valentine. Dans ta carte, tu verras, il y a un espèce de petit baril. Ah ouais? Ouais. Pétrole qui rapporte le plus. Moi, il y a un monsieur tout à l'heure, il m'a dit de faire pousser les basaltes.
Parce qu'avec les patates, et ben, vous pouvez le mélanger à d'autres trucs pour faire un truc cool. Ah ouais. Mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Imagine, va te renseigner à Saint-Denis, tu verras. Exactement. Ah, il doit être dégueulasse le whisky avec le dissolvant dedans. Ah, c'est ça. C'est de l'alcool de frelaté. C'est de l'alcool chocolaté. Le chocolaté, ouais. Miam. Une gorgée, tu peux devenir. Non, pas. Ils ont vrai alors. Un petit lapin marron. Ouah, un petit lapin. Ils ont vrai alors. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi comme métier toi? Je sais pas. Mais ça, c'est ça, ça attend mon frère, parce que mon frère, il va arriver en train aussi dans pas longtemps. Ah ouais? Ouais. Et il y a notre meilleur ami aussi qui vient. D'accord. Et la dame que tu parlais, c'est qui du coup? C'est un secret. C'est un secret? C'est un secret, ouais. Le problème c'est que dans le train j'ai pris un soc parce que le train il s'est arrêté d'un coup et je me souviens plus c'est quoi son prénom. Okay. Mais c'est que c'est ma meilleure amie du coup. Va la reconnaître du coup. Ouais je pense. Ça devrait le faire je pense. C'est vrai parce qu'il y a une fois à côté de tu verras même pas si elle. Bah non ça m'étonnerait, elle va me reconnaître sauf si elle a pris un soc sur la tête aussi. Peut-être qu'elle veut pas te reconnaître, je rigole. Ah. Comme mon papa. Il l'a pas reconnu? Non, mon papa il partait tout le temps à la SAS. Et qui va à la chasse, perd sa place. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, il paraît vrai. Moi, une fois, je me suis fait disputer par l'épaisseur. Parce que apparemment j'ai gassé la paix, c'est parce que moi je voulais des poissons, j'ai mis une dynamite dans l'eau. Hein. Ça revient cher la pêche quand même. Bah je sais pas, c'est trouvé. Yeah, je crois pas qu'il y a de médecin à cette heure-ci. Non. Ah bah. Ah je suis désolé encore. Je raccompagne.